Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les meilleures possibilités de travail à domicile en 2019. Le travail à domicile en 2019 vous permet de gagner du temps en vous déplaçant d'un endroit à un autre, en prenant soin de votre famille, en générant vos propres revenus et en vous développant en tant que professionnel dans la région que vous préférez. Vous vous demandez probablement de quel genre d'emploi il s'agit. Eh bien, il existe une grande variété de services qui peuvent être effectués manuellement ou numériquement sans que vous ayez besoin de quitter la maison très souvent. L'avantage du travail à domicile est que vous pouvez vous adapter à votre horaire et garder un œil sur vos affaires personnelles. Et si un événement imprévu survient, vous pouvez vous en occuper immédiatement. Restez bien attentifs jusqu'à la toute fin de cette vidéo puisque nous allons voir les meilleures alternatives pour travailler depuis chez vous en 2019. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Voici donc les travaux à domicile les plus répandus en 2019. Rédacteur de contenu. C'est un service très populaire ces dernières années. Les entreprises ont besoin d'une présence et d'un contenu sur Internet pour attirer les visiteurs sur leur site web. Si vous êtes un écrivain doué, avez un talent pour l'écriture et une bonne orthographe, vous pouvez commencer à offrir des services de rédaction de contenu. Assistant virtuel. C'est un emploi qui est de plus en plus demandé. Il y a des centaines de professionnels qui ont besoin de quelqu'un qui peut les aider en répondant à des appels, à des messages, en répondant à des courriels ou en prenant des rendez-vous pendant leur absence. Vous n'aurez besoin que d'un ordinateur, d'internet et d'un numéro de téléphone attribué par le client. Ils peuvent aussi rediriger les appels de leur téléphone vers votre mobile. D'autres fonctions peuvent être d'assister à un chat, gérer les fichiers, écrire, faire une multitude de rapports, faire des devis, effectuer des paiements aux fournisseurs, effectuer des paiements par téléphone, gérer la base de clients, les factures, etc. Développeur de logiciels. C'est l'une des alternatives les mieux payées que vous pouvez faire en ligne, car elle exige des connaissances techniques que tout le monde n'a pas. Si vous avez des connaissances dans le développement de logiciels ou d'applications web, il ne fait aucun doute que vous avez une grande opportunité de faire de l'argent avec ça directement depuis votre maison. Concepteur web. Beaucoup d'entreprises et de professionnels ont besoin de la création d'un site web pour promouvoir leurs services. Il s'agit donc d'un service très demandé et très intéressant. Si vous avez les connaissances nécessaires pour développer des sites web, vous pouvez promouvoir vos services dans ce domaine. Concepteur graphique. Si vous savez comment utiliser les logiciels de design, Photoshop, Illustrator, InDesign, vous pouvez faire une variété de travaux, de la création de logos et de marques de commerce, à la conception de livres et de magazines, y compris la publicité, l'illustration, etc. C'est un domaine de travail dans lequel les connaissances techniques et la créativité sont nécessaires. Chaque travail que vous faites vous remplira de fierté. Donnez des cours depuis chez vous. Une autre option très intéressante pour travailler est de pouvoir aider les autres à acquérir ou à renforcer les connaissances dans un domaine que vous maîtrisez. Qu'il s'agisse de mathématiques, d'informatique, d'anglais ou de tout autre domaine où un renforcement est nécessaire, ou même des cours d'art et d'artisanat, de conditionnement physique, de cuisine, etc. Enseigner aux autres est très satisfaisant, donc vous pouvez aussi gagner de l'argent. Un conseil, préparez vos cours un ou deux jours à l'avance. Community Manager. Voici un travail qui n'existait pas jusqu'il y a quelques années au sein des entreprises. Si vous connaissez les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, etc., vous pouvez les utiliser pour travailler. La fonction de Community Manager est de générer des contenus et de coordonner le calendrier des publications dans les différents réseaux sociaux d'une entreprise. En outre, il est chargé de répondre aux messages et aux questions des clients et, en cas de doute, de le déplacer vers la zone correspondante à surveiller. Tout ce dont vous avez besoin pour accomplir le travail est votre ordinateur et votre accès à Internet. Conseiller en marketing numérique. C'est un autre travail à domicile en 2019 qui est en plein essor en raison de la nécessité pour les entreprises de positionner leur marque par le biais des médias numériques. Le professionnel du marketing numérique doit avoir une connaissance du marketing global, des réseaux sociaux, de la publicité, des stratégies de communication, etc. Vous pouvez acquérir des connaissances dans ces domaines et offrir vos services aux entreprises. Correcteur de texte. Si vous êtes un expert en orthographe et grammaire, vous pouvez en profiter pour offrir vos services aux auteurs, éditeurs, sites web ou web magazines, et même aux universités et établissements d'enseignement qui produisent des publications pour les étudiants. Le travail est facturé aux milliers de mots, et pour le faire, vous n'avez besoin que d'un traitement de texte comme Word ou Page. Vous pouvez ensuite envoyer le document en ligne, rien de plus simple. Traducteur.
Il s'agit d'un service qui exige une connaissance approfondie de la langue à traduire. Vous devez connaître la grammaire, l'orthographe et la syntaxe pour faire une bonne traduction. Moins la langue est répandue, plus la traduction sera payante. Si vous parlez couramment une langue autre que votre langue maternelle, vous pouvez offrir vos services. De plus, le travail peut être fait entièrement en ligne. Assistant technique. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'aide pour fournir un soutien technique à leurs clients, que ce soit par téléphone ou par chat. C'est un travail qui exige de la disponibilité afin que vous puissiez répondre immédiatement aux demandes que vous recevez. De plus, vous aurez besoin d'étudier et d'apprendre des méthodes ou des procédures pour répondre de façon optimale et aider au mieux les clients. Télémarketeur. Le marketing téléphonique est l'un des domaines de travail les plus connus et qui sont toujours en vigueur. Il existe une grande diversité de produits et de services qui peuvent être proposés. L'avantage, vous pouvez travailler depuis chez vous. Transcripteur audio. La transcription d'audio à partir de rapports, d'entrevues, de témoignages ou de cours enregistrés est un service que vous pouvez offrir et qui est facturé par milliers de mots. Pour ce faire, vous devez avoir de bonnes compétences en dactylographie et une bonne orthographe est également essentielle. Vous pouvez également offrir vos services aux auteurs qui ont besoin d'aide pour rédiger leurs idées de livres. Comptable. De nombreuses entreprises sous-traitent la tenue de livres, la production de rapports, la production de déclarations fiscales, etc. C'est l'un des emplois à domicile qui sont les mieux payés et peut être fait si vous avez des compétences en comptabilité. Ce qu'il vous faut, un espace bien rangé pour pouvoir vous concentrer afin de travailler efficacement. Éditeur vidéo. Si vous connaissez les logiciels de montage vidéo, vous pouvez faire le travail pour les documentaires, les vidéoclips, les publicités, les courts-métrages pour les présentations, etc. Une autre possibilité est de travailler directement avec les youtubeurs qui ont besoin d'un montage professionnel pour leur chaîne. C'est un travail bien rémunéré pour les compétences techniques qu'il exige. Voix off. Créer des séquences sonores pour les présentations, l'éducation, les traductions, etc. est un service que vous pouvez facilement faire de chez vous. Si vous avez des connaissances en voix off, vous n'avez besoin que d'un bon équipement d'enregistrement. Si vous savez comment éditer l'audio dans des programmes comme Audacity ou autres, ce sera un plus pour le client. Dactylographier. Il y a des entreprises qui recueillent des données qu'il faut ensuite mettre en tableau ou qui exigent la numérisation de documents qui ne sont que sous forme physique parce qu'ils ont été faits à la main ou à la machine. Pour faire ceci, vous devrez avoir de bonnes compétences en dactylographie. Vous pouvez être payé pour le nombre d'enregistrements saisis ou pour des milliers de mots tapés. La seule compétence requise, recopier. Expert SEO. Il s'agit d'un domaine d'un grand intérêt pour ceux qui gèrent un site web et qui veulent le promouvoir ou le développer. La connaissance de l'optimisation pour les moteurs de recherche, SEO, peut vous aider à fournir des conseils et du soutien aux clients qui en ont besoin. C'est un métier intéressant qui nécessite une mise à jour constante et qui s'accélère petit à petit. Conseiller en affaires. Si vous avez travaillé dans le domaine du marketing, de la publicité, de la vente ou de la banque, vous pouvez utiliser vos connaissances et votre expérience pour offrir des conseils aux entreprises qui en ont besoin. Il existe de nombreux cas d'entrepreneurs qui ont besoin d'aide pour diverses questions telles que la façon de créer leur entreprise, comment se financer, comment se promouvoir, etc. Le coaching est facturé à l'heure et peut aller de l'analyse et la préparation d'un plan à l'accompagnement dans l'exécution de celui-ci. Parfois, vous pourrez rencontrer le client, mais en général, vous pouvez faire le travail par vidéoconférence ou par téléphone, en plus de la coordination par courriel. Coordinateur d'événements. Si vous avez un talent pour l'organisation et que vous aimez planifier les choses, vous pouvez vous lancer dans la coordination d'événements. Ce qu'il faut pour le travail, c'est comprendre les goûts du client et ce qu'il attend de l'événement pour proposer quelque chose qu'il aime. Ensuite, vous devrez obtenir des devis et des fournisseurs pour tout ce qui concerne l'événement et vous assurer que tout est à l'heure. Locaux, nourriture, musique, éclairage, décoration, présentoir, chaises et tables, linge de table, etc. C'est un monde passionnant et très divertissant qui vous permet aussi de faire le travail presque entièrement par téléphone et par courriel. Coach de vie. C'est un service que vous pouvez offrir si vous avez des connaissances dans le domaine de la psychologie ou du coaching personnel. Vous pouvez fournir le service par vidéoconférence ou fixer un rendez-vous pour que la personne vous rende visite. Parmi le travail à domicile 2019 que vous pouvez faire, celui-ci offre beaucoup de satisfaction personnelle de pouvoir aider les autres, qu'il s'agisse d'orientation personnelle, de couple, d'orientation professionnelle, etc. Chargé de sondage téléphonique.
Parmi les besoins des cabinets de conseil ou d'études de marché, il y a la nécessité de sonder le marché par le biais d'enquêtes dans certains secteurs. C'est un travail qui peut être externalisé et vous n'avez besoin que d'un numéro de téléphone et d'une liste de contacts pour commencer. Normalement, vous êtes payé par sondage complété. Responsable de la collecte par téléphone. Si vous avez de l'expérience dans le domaine du recouvrement financier, il y a beaucoup d'entreprises qui assurent le service afin de faire le suivi des paiements impayés de leurs créanciers pour qu'ils se présentent pour annuler. La société vous fournit la liste des charges et vous donnera une commission pour chaque charge payée. Agent de voyage. Enfin, voici un travail à domicile en 2019 où vous pouvez utiliser vos compétences pour coordonner ainsi que votre expérience touristique pour conseiller les entrepreneurs, les touristes et les voyageurs du monde entier. Pour cela, il est nécessaire d'acquérir des connaissances sur les vols, les tarifs, les hôtels, les modes de réservation, les saisons, les services de transport, etc. Vous pouvez coordonner le travail par téléphone et par courrier et offrir vos services sur Internet. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre « Comment créer un business sur Internet qui rapporte » en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.